Après avoir fait le concept devine qui fait l'attraction dans plein de parcs à sensations, on le fait aujourd'hui en version aquatique à Roulantica, qui est le parc aquatique d'Europa Park Resort. Le complexe aquatique est magnifique avec plus de 50 toboggans et attractions à sensations, des espaces familiaux, des espaces détente, des saunas, toute une partie outdoor et indoor chauffée qui permet à Roulantica d'être ouvert toute l'année. Je vous rappelle le concept que vous adorez, on est 4 au pied d'une attraction aquatique, les yeux bandés et les oreilles bouchées. Une personne est tirée au sort et part faire l'attraction et elle reviendra et devra bluffer les autres sans se faire démasquer. Ça reste un jeu et même si pour moi l'essentiel c'est de participer, il y a un système de points. La personne qui fait l'attraction marquera un point par personne bluffée. Les personnes qui ont trouvé qui a fait l'attraction marqueront un point. Les personnes qui ont fait croire qu'elles ont fait l'attraction marqueront un point par personne bluffée. Et petite subtilité pour brouiller les pistes, avant de rouvrir les yeux, toutes les personnes seront arrosées par la prod pour que tout le monde soit mouillé et pour ne laisser aucun indice. Comme pour la vidéo à Europa Park, j'ai mon casting de rêve, la sensationnelle Jordi, l'inachevé Romain et le magnifique Max. Casting de rêve que je retrouve tout de suite pour la première attraction. Et je retrouve mon casting de rêve. Comment ça va les amis? Hop, je fais passer la vague. Ouais. Bon, il faut le dire, on a tourné hier à Europa Park. Ouais. Et là, on retourne du côté de Roulantica. Il est 7h30 du matin. Il est tôt. On est si fatigué. Mais justement, je pense que là, la première attraction, ça va nous réveiller. Odin Race, donc vous le voyez derrière nous. Ce sont deux pistes de toboggan parallèles dans lesquelles tu peux faire la course. C'est pour ça que là, vous voyez un écran là. Il y a le kilomètre heure et les... Non. Et les temps. Est-ce que ce serait pas un petit truc où il nous mettrait deux là-dedans par hasard? Il se peut qu'on soit deux. Pour moi, c'est Max et Romain. Mais on l'a pas fait encore. Alors, petite précision, on a des t-shirts de bain. C'est pas des t-shirts classiques, on peut pas venir comme ça avec des t-shirts classiques et se baigner. Et par rapport à la vidéo précédente, je préfère le dire à Jordi, je ne te mentirai pas. Allez, non mais c'est bon. Non mais je préfère le dire. Oui, oui. Et je te l'ai dit en off. Allez. Est-ce que vous êtes prêts pour la première attraction? Ouais. Oui. Allez, c'est parti comme d'hab. Casque et masque. Let's go. Et après, au dernier moment, quand faut voter, on change notre doigt. Qui se sent en premier? Allez, prends votre savoir. Je suis pas sereine, Jordi. Attends, mais on va partir. Hein. Non, non, non. Attendez. Oh, merde. Attends. Je vais voir. Pas le temps, j'ai pas le temps. Ouais. 3, 2, 1. Il s'est trempé. T'avais des tongs ou pas, Max? Non, non, moi j'avais pas de tongs. Oh là, c'est impossible à savoir. Ah, on sait qu'il y a... Ah, il y en a eu deux déjà, on sait. Ah, il y en a un qui est beaucoup plus rapide que l'autre. Ah, bah il y en a deux, au moins là on a l'info. Ah, on sait qu'ils sont deux. À moins qu'il ait fait la course avec la prod. À moins qu'on ait fait la course avec la prod. En vrai, je sais pas. Par contre, il y a une personne qui va beaucoup plus vite que l'autre. Ok, donc ça pourrait être un poids lourd et un poids léger. Ça pourrait être Jordi. Moi, poids lourd, pas très sympa, par contre. Jordi, tu l'as fait? Non. Pour moi, c'est un poids lourd et un poids léger. Après, Jordi et moi, je pense qu'on est plus ou moins un poids léger et vous deux poids lourd. Fred, c'est toi? Quoi? C'est toi? Je regarde droit dans les yeux là, je ne l'ai pas fait, Jordi. T'as les yeux bien ouverts? Oui, mais bon. Je sais pas ce que ça signifie. Ça signifie. Il surprend hein, le. Le saut? Non, le coup d'eau, le saut. Ouais, le saut. Tu l'as fait? Non, le saut qu'on vient de nous mettre en prod. Ah, attends, j'ai cru un saut dans le toboggan. Ouais, comme... c'est bizarre que tu dis ça. Ouais, moi je dis ça aussi, moi. Fred, t'as fait ou pas toi? Non, j'ai pas fait. Et c'est pas parce que je suis ce que j'ai fait. Hein. Romain, tu l'as fait? Non, franchement, s'il y a un truc que j'ai pas fait, c'est celui-là. Non, Fred, j'arrête de te faire confiance. Mec, tu verras. C'est Fred. Moi, Jordi, j'ai un sentiment, c'est genre les deux là, tu vois. Tu me la mettrais pas à l'envers? Non, non. Moi, je vote ça, moi. Je te suis. Quoi? Aucun argument, mais. Bah, si, tu vois, ils se braquent en vrai, tu vois. Mec, tu sais quoi? Je vais dire un truc, ils l'ont fait tous les deux aussi bien. Mais c'est sûr. Bon, les amis, on va voter. Moi, je vais dire un truc, je vais voter pour une personne. Non, ouais. Moi j'ai un pressentiment mais je dis pas quoi. Bon allez, on va faire les votes. 3, comment je fais? 2, 3, 1, Romain. Bon, qui a fait l'attraction? Je sais pas c'est qui Fred. Est-ce que le poids lourd ça serait moi? Et le poids léger ça serait toi? Ah les deux, je savais qu'ils étaient deux. Let's go!
Je suis désolé Romain, j'avais pas non, le choix. Non mais c'est bien fait. Hein. En fait ça sert à rien que tu fasses des alliances avec Jordi, elle va te... J'en fais promis, je te mens plus. Oh d'accord. L'attraction aquatique, elle est incroyable. Elle est super, c'était et super. Et en fait, l'histoire c'est qu'on était chacun sur une bouée double. Moi j'étais avec Genzo et... Avec Juju. Et Juju m'a vachement ralenti, c'est pour ça que du coup... Mais vous avez fait un très bon départ. Ouais c'est vrai. Et Max en vrai c'est pas contre bien toi joué, mais c'est... Joué, ouais. Je le prends hyper personnellement. Et je pense que j'ai perdu ta confiance sur le reste de la vidéo. Et le reste du voyage. On marque tous un point parce que chacun a bluffé quelqu'un, tout le monde a voté pour une personne. À la fin de la vidéo il y aura 7-7. Les amis, après cette première partie de bienveillance, on part sur la deuxième attraction qui est juste à côté. C'est Duke Drop. Comment ville... Oh non, c'est pas cool ce que t'as fait. C'est pas cool. Comment t'as dit? Gardez leur montage. On passe tout de suite à la deuxième attraction, Duke Drop, Billfold. Ouais. Ok. Deuxième attraction, Duke Drop, Billfold. Et là je vous en dis pas plus parce qu'apparemment c'est un toboggan à trappe. Ça fait un peu peur. Mais c'est de l'excitation plus qu'autre chose. Exactement. Allez, vous êtes prêts? Ouais. C'est parti. Chacun dit ce qu'il écoute. Un remix 0 à Lyon, moi. Connais pas. One Last Time, Ariana Grande. Ah ouais, j'aime pas. Buy You a Drink de T-Pain. Ok, super. Quand le regard se croise, c'est super. Bon, moi je le dis, là j'ai la bonne position. Pourquoi? Je l'ai pas fait. Il commence comme ça. Non, mais les gens, ils commencent à me connaître. Les gens, ils savent que je l'ai pas fait. Sache que je ne te ferai plus jamais confiance jusqu'à la fin de la partie. Bon, bah je l'ai fait alors. Non. De quoi? Non, tu parles trop en mode des gens ils me font confiance et tout. Moi j'aime pas ça. J'ai pas envie de me faire embobiner. Oh. Les gens ils l'ont vu. Toi tu l'as fait. Non. Tout à l'heure tu m'as dit non alors tu l'as fait. Comment je suis fait pour te croire maintenant? Ah oui c'est vrai. Ouais, comment mais on était en strat ensemble tout à l'heure. Et là on est pas en strat ensemble? Si, dans la complicité. Mais je l'ai pas fait, crois-moi. Romain il parle pas beaucoup. Non, j'observe là. T'es moins bon que hier, j'ai l'impression. Ouais, tu vas voir, je vais faire un masterclass là. Jordi elle rigole trop pour pas l'avoir fait. Mais après c'est parce que j'aime la vie. J'aime la vie, j'aime le parc et tout, tu vois. Mais c'est pas pour autant que je voterai pas pour toi. Pour moi le plus suspect c'est Fred pour l'instant. Pourquoi moi encore? Là quand tu regardes les gens, tu fais, les gens ils savent très bien, je l'ai pas fait et tout. Ce qui est bien avec cette vidéo c'est qu'on a du background hier quoi. Ouais. On part pas à zéro là. On sait qu'on est tous malhonnêtes en ouais. fait. Non c'est pas moi. Non en vrai c'est pas moi. Regarde-les. C'est pas moi. C'est vrai. Moi je l'ai pas fait. Ah moi je l'ai pas fait. Bon bah c'est un des deux. Je le dis, là par rapport à la vidéo d'hier, ça monte pas crescendo. Apparemment celle-là elle est hyper puissante. Apparemment donc, oui. Apparemment elle est hyper puissante et j'aimerais bien la tester. Mais c'est quoi, c'est le truc où t'es comme ça et tu... L'attrape elle s'ouvre et genre tu tombes. Comment tu sais? Bah tu l'as dit quand t'as expliqué l'attraction. Ah la joie. Ok merci beaucoup. C'est toi qui l'as dit. Ok. Non en vrai c'était une info qu'on avait, Moi je savais pas que c'était ce le truc où tu... Ouais. Ça c'est encore un mensonge, je veux dire qu'il l'a fait. C'est Max. C'est Jojo. Tant pis si je me trompe encore mais pour moi c'est vous deux. Excusez-moi, vous pensiez que les joints étaient blancs ou noirs à la base? Fais ta blague, tu ne vas pas m'attraper. On vote les amis. 3, 2, 1. Oh là là, Max. Elle a mis tellement de temps. 3 max, Max t'es quand même suspect hein. Bon qui a fait la trappe là? Et Romain t'as été très bon parce que c'est Max et moi qui l'ont fait. Ouais. Let's go. J'ai voté pour Max. Ah t'as été bon là. J'ai été si nul. C'est incroyable.
c'est une folie furieuse. T'es comme ça et d'un moment t'as une lumière qui s'allume et là bah t'es inspiré. Bam. C'est toi vers la gravité quoi. Est-ce que tu sais quand ça part ou c'est d'un coup? Non, il y a une lumière qui s'allume et tu sais pas exactement quand ça va partir. Raconte-nous ton départ Max, j'ai l'impression que... Gars, j'avais l'impression qu'il avait dit d'abord Fred et après moi. Et du coup ouais, j'étais un peu décontracté, je me suis dit bon d'accord c'est Fred avant. Et on est tombés tous les deux en même temps et j'ai eu un réflexe de survie. Je pense que c'est vraiment ridicule, j'ai essayé d'attraper les barreaux. Est-ce que vraiment on tombe énormément comme ça? Ouais, ouais. Okay. Non mais c'est incroyable. Le début c'est vraiment t'as peur et après tu kiffes et après à tu la te fin, noies quoi. Mais on s'est... J'ai tremblé. J'étais comme ça. Mais tu sais que moi j'étais essoufflé. Je prends beaucoup d'eau à un moment. Ah ouais? T'as l'impression que tu te noies un peu quand même. Et bon, on passe tout de suite à la troisième attraction aquatique. Willstrom, c'est parti. Extérieur pour Willstrom, c'est une rivière sauvage. En tout cas, on est bien en extérieur, là, ça fait plaisir. Là, on est dans un paysage un peu nordique. Et petite pression, ça, on peut le faire toute l'année. Même en novembre? Toute l'année. Même en décembre? Principe de toute l'année. Et en août, parce qu'un parc aquatique, généralement, c'est fermé en août. Non, mais c'est tout l'inverse, en fait. Tu vas voir, toi. Petit récap des scores, Romain, là, il fait le malin parce qu'il est très bon. Bah, j'ai fait la petite masterclass. Est-ce que vous êtes prêts, les amis, pour la rivière sauvage? Oui. Chef, oui, chef. Bon les amis c'est parti, donc là il faut être le plus assis possible. Allez on y va. Oh ça va, oh elle est chauffée. Mais oui elle est chauffée banane. Oh waouh le bonheur. Attends et du coup là ça part là. Oh on part ensemble. Attends ouais vas-y. C'est peut-être dangereux tous en même temps. Ok j'ai son déco. Attends on avance pas là. Oh il est en train de se battre. Ok ok. Ah oui. Excellent. Ok la rivière sauvage. Excellent. 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 Oui. Je me rends pas compte par rapport à Voltron si c'est plus ça marche. Il y avait un truc. Il est derrière. Est-ce qu'on est à 100 km/h ou pas? Je me rends pas compte si on est à 100 km/h. Je t'ai doublé là derrière. Franchement je pense à Max là. Allez. Qui est tout seul sur sa chaise les gars. Bon maintenant la stratégie c'est que... On va tout tomber. Il va jamais nous prendre. C'est très très drôle. Oh la violence du seau d'eau. C'est pas moi. C'est pas moi. J'ai froid. Oh, c'est de fou. C'est pas moi, c'est pas moi, j'ai juste froid. Allez, on doit deviner qui n'a pas froid. Mais dans tous les cas, je pense que même la personne qui l'a fait, elle est mouillée, donc elle a froid. Moi, je pense que le pire, c'est genre, là, on commençait tout juste à sécher sur la chaise, ouais. Et tu te reprends le seau, et là, ouais. C'est infernal, ça. Je suis d'accord avec toi. Tu l'as fait. Moi, je pense que c'est Jordi. Mais pourquoi tout au moins? Moi, Jordi, t'as les cheveux très mouillés, quand même. Mais arrête, mais oui, ils viennent de mettre un seau d'eau. Ouais, mais quand même, t'as un seau d'eau, t'as les cheveux très mouillés. Max, c'est pas moi. Elle était à combien? Bah, je pense que c'est la même au cas à l'intérieur. Moi, j'avoue, je suis un peu perdu, là. Oh là là. Max, tu l'as fait? Non, sûr c'est pas moi. Je crois. Tu me crois? Ok, c'est Roro. Oh. C'est toi? Non, c'est pas moi. Pourquoi tu rigoles? Mais Max, il s'est pas menti. Non, mais c'est pas moi, je vous dis. Moi, je pense que c'est Roro. Si, si, je pense que c'est Max, moi. Moi, j'ai joué sur les deux. Mais Roro, là, t'es différent des deux, des trucs d'avant, en plus. Je t'explique. C'est tombé sur Roro. Il a dû choisir une personne. Il a choisi sa bestie. Moi, je dis Fred. Donc, mais Max, ça fait déjà deux fois que tu votes pour moi, deux fois que tu te trompes. Donc, et réagis. C'est pour ça que je vais voter wake Romain. Up, Max. Wake up. Romain? Non, non, c'est wake pas up. Moi. Jordi. Max, ce n'est pas moi. Je vais voter Romain. Je te dis que... sur la vie de ta mais mère. Pourquoi elle se surdéfend alors que je dis que c'est Romain? Je vais voter pour toi finalement, d'accord? Bah, Max, je te... Non, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est toi? Je suis perdu de fou. Ouais. Attends, juste Jordi, attends. Vas-y, touche mes cheveux. Attends. Très, très mais mouillé. Ça, c'est un délire de gonzesse, ça. Elle va faire comme ça, là. C'est un délire de gonzesse. De gonzesse, il a dit. T'as... Vous avez de la chance que vous avez pas de calvitie, les trois, là. Attends, pas de calvitie, Romain baisse la tête, il fait. Non, il a blâ les cheveux. Oh, beau gosse. Ah non, il a blâ les cheveux. Max, il a 13 ans, forcément. J'ai eu un quart de siècle il y a une semaine. Par contre, on a vu une photo de ton père, tu vas mal finir. Bah, faut une petite photo de Benoît qui s'affiche tout de suite. Bon, on va voter parce que, effectivement. Parce qu'il fait froid en plus.
3, 2, 1. C'est qui? C'est toi. Ok, yeah, c'est... Je crois que c'est la première fois que je suis un bon guess. Donc là, il y a qui a voté pour moi? Moi, j'ai voté pour toi. Ah, mais je crois que ton vote, il compte pas, toi. Pourquoi? Bah, moi, j'ai voté pour Fred. Mais toi, ton vote, il compte pas. Ah, il compte pas, mon vote. Parce qu'en fait, on l'a fait tous les trois. Par contre... Tu pouvais pas savoir, Max. Impossible. Par contre, la strat, c'est que nous, on a bien joué parce qu'il fallait que Max vote pas pour un de nous trois. En cumulé sur la journée d'hier, sur 10 attractions, j'ai pas réussi une seule fois le bon guess entier. Mais en tout cas, on s'est éclaté à trois dedans. C'était drôle. C'était génial. Drôle. J'ai trop le seum, je voulais trop le faire, moi, la rivière sauveur. J'ai rigolé parce que, en fait, le corps suit pas avec ce que tu veux faire. Tes intentions n'ont pas aucune valeur. Hyper agréable, hyper bien chauffé, hyper, tu vois. T'es vraiment bien dedans. T'es mieux à l'intérieur que ici. Allez, vous faire, on rentre. Ok, bon, on passe tout de suite à la quatrième attraction aquatique. C'est parti pour Icebreaker. Yeah, yeah. Let's go. Alors, apparemment, ça serait un toboggan à catapulte. Moi, perso, jamais fait. Moi non plus. Catapulté. Comme dans Mission Cléopâtre. Je sais pas si vous avez la ref. C'est un petit film indé. En combien de temps il dure le toboggan? Ah, aucune idée. 6 secondes. Voilà, il a les infos. Messieurs, dames, casque et masque, c'est parti. Let's go. De se prendre un seau d'eau froide, là, franchement, je souhaite à personne. C'est Romain. C'est wesh. C'est comment la catapulte, Romain? En fait, elle te prend. Et c'est vraiment 6 secondes ou pas? Ça, c'est pas la catapulte, ça. C'est autre chose, ça, non? Moi, j'ai pas. Max, la catapulte? C'était 6 secondes ou pas? 5. Moi, trop peur quand la trappe s'est ouverte et ouais, je suis tombée. Et après, ils m'ont mis en boule et ils m'ont lancé comme ça. Tout ça en 6 secondes. Moi, je la crois. Non. Vous l'avez fait ensemble, vous l'avez fait ensemble. Merde, mes tongs. C'est là-bas. Non, arrête. C'est une stratégie ou pas? Je sais pas. Ah, il s'est fait griller. Non, mais je les ai mis là juste avant de le dire. Quel con. En plus, tu sais que si tu l'avais pas dit, j'aurais même pas remarqué. Mais je suis trop con. Mais c'est pour ça que je me suis rendu compte. Non, bref. Bah, c'est pas moi, non, j'ai pas fait. Non, allez, c'est une strat. Pour moi, c'est une stratégie. Tu l'as pas fait et tu veux faire croire que tu l'as fait avec tes tongs. C'est très franc de longue. Tu peux faire ça là, s'il te plaît, le truc de Zouz? Ah, oh, elle un fait bien. Décevant. Et après, il y a encore mis de personnes. Bah vas-y, finis ta nuit, Max, hein, on revient tout à l'heure. Encore 4 attractions, je l'ai pas faite. C'est ça qui fait. Ouais, mais attends, t'as fait la trappe. Et Jordi, vous savez ce qu'elle vient de dire? Elle vient se griller là. Elle a dit quoi? J'ai dit, j'ai fait que une attraction sur 4 et elle vient de dire, ouais, c'est vrai qu'il l'a pas faite. Bah parce que je pense pas que c'est toi. Ah, ah, c'est toi qui l'a fait. Non, c'est pas moi. Mais est-ce que t'étais toute seule? Mais j'étais pas dans l'attraction. Pour moi, mais tu vois, vu que t'étais dedans et que tu sais pas mentir, mécanisme de défense, t'as fait la blague avec le truc et tout. Peut-être que tu me connais bien, Romain. Pour moi, ma décision est prise et elle ne changera pas. C'est qui? C'est quoi, Romain? C'est moi. Ouais, je pense aussi. 3, 2, 1. Attends, c'est mal fait. C'est quoi ça? Qui a fait l'attraction? Est-ce qu'il y a vraiment besoin de demander? Oui, c'est moi. Ah, oui, toute seule. Oui. Et toi, Fred? Moi, non. J'ai essayé de vous brain avec mes tongs, mais ça n'a pas marché. La bubule pour Jojo. M'en fous, j'ai fait l'attraction. On passe tout de suite à l'attraction suivante. Stanvin, c'est parti. Cinquième attraction, et pas des moindres, Stormville. Oh. Alors, là, je vois des bouées, et j'ai l'impression que on est dans un entonnoir et qu'il y a moyen de se retourner. C'est stylé, les bouées. Hein. Ça, c'est un peu gaulerie. J'adore les bouées. Je pense que ça, là, c'est un peu gaulerie. Avant de faire l'attraction, je voudrais remercier... Pas de rien, Fred, avec plaisir. Merci, Jordi, d'être là. Et merci d'être toi, surtout. Toi qui l'as fait. Non, évidemment, je voudrais remercier TGV Inouï, qui permet de venir directement en Allemagne, que ce soit pour Rolantica ou Europa Park. On peut venir en 2h30. Les gens ne le savent pas forcément. C'est direct. Et puis en plus, ça permet de réduire son empreinte carbone parce que c'est moins de transport bas carbone. Donc merci TGV Inouï de nous avoir en plus permis de venir ici. Allez, c'est parti. Non,
être super, j'ai trop hâte. Là, les trois cons, ils sont en train de dormir. Pour une fois que tu choisis. Bah, merci Fred, merci pour l'invitation. Je sais que j'ai été un second choix. Gwen et je crois que Morgan n'était pas dispo non plus. Écoute, je le prends pas mal. Je suis un artiste de seconde, voire troisième, voire quatrième zone. Pas de galère. Toi aussi, t'étais un second choix pour un quiz foot à moi. Parce que même quand t'as fait le truc, t'es sur la bouée, au final t'es pas mouillé. Et tu te reprends le seau d'eau après. C'est tellement précis. Même la roue, elle est trempée. Il lui faut une serviette à elle aussi, je pense. Ça bon, allez, Max, t'as fait une attraction ou pas? Non, bah toujours pas. J'ai trop le seum. Toujours pas. Allez, il a ment, il ment, il ment, il ment. Une fois en 5... C'est la cinquième, là? Une seule fois en 5 fois. Tu l'as fait? Ouais. Romain, arrête de faire ça, je vais voter pour toi. Mais quoi? Je vais voter pour toi. Je l'ai fait, je vais pas commencer à mentir aux gens. Alors c'est comment, dedans? Dedans, c'est très sympa, j'étais avec Genzo qui était derrière, ce qui fait qu'avec le double poids, c'était vraiment genre... Comme par hasard. Attends, Genzo, il est où? Il est pas du tout mouillé. Non, il a pas fait, C'est une bouée, hein. T'es pas mouillé dedans. Juliette, elle a les jambes... Aïe, 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 je me suis fait avoir sur mon mensonge. Un de deux. Est-ce que c'est deux. Pas les deux? Ouais. On l'a fait tous les deux. Pour le coup, je l'ai pas fait avec Romain. C'est quoi la strate de Romain? C'est soit c'est un mytho, soit il l'a vraiment fait. Est-ce qu'il y a moi, je vote ça. Si on l'avait fait tous les deux. Tiens, Roro sûr. Quoi, Roro sûr? Parce qu'il dit qu'il l'a parce fait. Parce que je le connais, là. Je commence à le connaître, ce mec. Quand là. Il est dans l'offensif, souvent, c'est qu'il a fait. Là, je suis juste en train de kiffer. Je vous manipule. On l'a fait tous les deux. Et voilà. Je sais pas lequel des deux ment, là. Mais arrête. Max. Mais pourquoi je suis coupable maintenant? Mais tu fais que mentir depuis le début. Bon, on va devoir prendre une décision. 3, 2, 1, double vote tous les deux. Quoi? Moi? J'ai plus confiance. Enfin, moi avec qui? Avec Max. Jordi, pourquoi tu me fais ça? Bah, je me dis, un jour ça va payer. Qui a fait l'attraction, s'il vous plaît? Non, c'est moi! Ouais. J'aurais pas dû faire tout un seul. Double vote! Avec ma jus. Trop chaud, on bébé! Savait. Comment t'as fait? En fait, je suis parti dans mon délire et du coup, après, je suis le bon. Max, dis-nous comment c'est passé. J'ai kiffé. On était avec Jus, c'était grave drôle. En fait, le fait que Jus, elle faisait que crier, et du coup, j'étais en fou rire. Voilà, comme ça. Et est-ce que vous êtes retourné ou pas? Ouais, le début c'est devant, après tu tournes, et après tu finis le truc à l'envers, et ça c'est rigolo. En tout cas, Max, bravo, t'as bluffé qui Max? T'as bluffé juste... Bah personne. Personne, bah, bien joué, ouais. Bien joué bravo, Max. Bravo Max. On passe tout de suite à la sixième attraction, Winter Ritz. Sixième attraction Winter Ritz. Cette attraction peut être à 2 ou à 4 et ça monte à la verticale, là comme on est en train de le voir. Et apparemment il y a des petites sensations de airtime. Exactement là, tu vois là t'as un peu des papillons dans le ventre. Comme quand t'es amoureux. Comme quand tu tombes amoureux. Ah c'est mignon. Petit truc très sympa, c'est que des fois dans des attractions aquatiques on doit porter ça à sa bouée. Petite révolution, il y a un ascenseur à bouée. Et j'ai une petite question, est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose pour la bière aussi? Non, irrattrapable. Hyper premier degré. Et petite subtilité, dans cette manche, vous ne saurez pas qui a fait l'attraction. Vous allez jouer chez vous. Oh, c'était génial. Oh, l'ascenseur boué là, magnifique. La dernière fois que t'as fait ça, c'était toi parce que t'arrives pas à mentir. Croyez ce que vous voulez. Moi les gars c'est moi, je vous le dis. Oh non mais tu vas pas recommencer. Ça monte jusque là-haut, c'est on pas était possible. Quatre dans la bouée. Il y avait deux de la prod mais l'autre je vais pas dire c'était qui et qui était. C'est quoi cette... C'est pas possible parce que c'était moi tout seul. C'est un mytho, il était pas tout seul, il y avait plusieurs personnes. On était deux de la prod et deux créateurs.
Et il y en a un qui est là qui sait très bien qu'il l'a fait avec moi. Allez, c'est Fred. Alors moi je l'ai pas faite. Mais tu dis ça à chaque partie. Pas à chaque partie. Les gars, il y a un point facile à venir prendre ici déjà. Et je l'ai fait avec quelqu'un d'autre, mais je peux pas dire attention, c'est qui. Attention au délire de. Je l'ai pas fait avec lui en tout cas, c'est fort, c'est non, c'est non. Moi je l'ai fait solo avec quelqu'un de la prod. Je rappelle que les gens qui regardent la vidéo là ils sont en train de chercher aussi parce que vous savez pas. On va faire le reveal après. Moi je le dis, c'est pas moi. On a tous la même strat sauf toi, c'est de dire que c'est nous. Parce que vous l'avez fait tous les trois peut-être. Comme par hasard. C'est qui? Comme par hasard. C'est Max et Jordi. C'est ah tellement non, 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 moi j'ai pas fait avec Max. Hein. Tu as fait qui? Avec un prod. Tu l'as fait déjà toi? Ouais, je l'ai fait. C'est 100% Fred. Mais putain, t'es trop fort. Je commence à le connaître. 2-1 Romain. Messieurs, dames, vous avez votre vote chez vous aussi. La personne ou les personnes qui l'ont faite. Le... Putain, c'est pas vous trois. C'est vous trois. C'est vous deux. C'est moi toute seule. Toi toute seule. Oh, c'est trop chaud. Avec lui. Putain, bien joué. Je pensais que c'était toi là. Elle était super. Hein. Mais par contre, en vrai, ça fait un peu de. Ça fait un peu peur. Je stresse du mensonge déjà en fait. Ils vont encore me cramer, c'est pas possible. Je vais jouer la strat de je l'ai fait de toute façon. Et que mon truc préféré c'était l'ascenseur à bruit. Non mais là ça va. Tu veux stresser quand même. Il sautait hein. The way, il s'est bien gonflé. Accroche-toi. On passe à la... Ça va, Max? J'ai trop le mort. Je déteste le jeu de bluff, je suis trop nul. Et là, on va passer à la dernière attraction. Viking Lop, c'est parti. On est sur la dernière attraction de la journée et même la dernière attraction du séjour. Non, oh, c'est passé trop vite, mon frère. On va finir la vidéo à Roulantica qui va venir clôturer ces deux jours en Allemagne, à Europa Park. Donc là, on est sur l'attraction qui s'appelle Viking Lop. C'est le plus grand toboggan de course d'Europe. Vous pouvez voir, là, il y a jusqu'à 8 lignes. C'est excellent et c'est vraiment magnifique. Hein. Donc les amis, ce que je vous propose pour cette dernière manche, et parce que dans tous les cas, j'en ai marre de bluffer, j'en ai marre de mentir, c'est contre nature. Je vous propose une manche spéciale, pas de bluff, pas de devine qui fait l'attraction, mais plutôt une petite course entre nous. De la vitesse. On fait une course. On fait une course tous les quatre. La personne qui arrive en premier marque 4 points. La deuxième personne qui arrive marque 3 points. J'adore. Là, je suis en mode frère à l'arbitre. Hein. La troisième personne marque 2 points et la dernière marque 1 seul point. Tiré cap des scores qui s'affiche à l'image. Romain, toujours très très bon. 8 points. Je suis juste derrière toi avec 6 points. Jordi, 5 points. Et Max, 4 points. Mais tout est encore possible. Messieurs, dames, je vous propose qu'on s'installe pour la dernière course. Viking Lop, c'est parti. Let's go. Les amis, ça va être la course. J'espère que vous kiffez le concept. Jordi. Ouais, c'est trop bien. Là, c'est parti, on va kiffer ce dernier putain de toboggan. 3, 2, 1, go. Allez, allez, c'est parti pour la victoire. Allez, oui. Allez. On est sur une fin de vidéo. Je crois qu'on a fait des scores pas mal là qui s'affichent à l'écran. Oh, Jordi, t'es arrivé dernière. Ouais, je crois. C'est nul. T'es, t'es la plus légère aussi. Bah oui, c'est pour ça, c'est un peu injuste quand même. Ouais, c'est injuste, c'est un peu injuste. Donc, un point pour toi, Jordi, au total. Ouais. Ça fait 6 points. Ouais, c'est pas ouf. Qui est arrivé troisième? Moi, c'est moi, c'est moi. T'es des compliqués sur la course. Je pensais vraiment pouvoir finir premier, mais oh, franchement, t'es le meilleur, mon Fred. Il est parti 5 secondes après tout le monde. Je voulais te laisser gagner, mon Fred. Attends, du coup, t'es arrivé troisième et du coup, ça te fait 2 points. Ouais. Et au total, ça te fait 10. Max, t'es arrivé deuxième. Ouais. Donc, ça te fait 3 points. Ouais. Et au total, ça t'en fait 9. 7. J'ai pas compté. Et toi, surtout, t'as combien? Bah, moi, je suis égalité avec toi. Non.
J'ai égalité. On partage la première marche. Bah, merci, ça y est, on est sur une fin de séjour, c'était incroyable. Je voudrais remercier évidemment les équipes de Europa Park et Roulantica là pour l'accueil. C'est ouvert toute l'année, venez profiter. Il y a un truc que j'ai pas dit. C'est trop ici, bien. Ils font des pool parties. Oh donc, mais pourquoi nous on n'est pas à la pool party? Bah attention là, attends, une fois que les caméras seront coupées, pourquoi pas. Merci Marine, merci Célia, merci Rebecca, toutes les équipes qui nous ont accueillis là pendant deux jours. Pour finir, je vous propose qu'on fasse l'attraction qu'on n'a pas faite, que toi t'as faite, Winterig, et on peut la faire à 4. Ouah, trop bien! J'ai hâte de la faire. Merci tout le monde et on va la tester. Ah, bon, j'ai hâte de la faire. Franchement, est-ce qu'on a passé un bon séjour? Ouais, ouais, merci. Merci. On va faire l'outro dans l'attraction Winterig. J'ai besoin d'aller kiffer la vidéo. Ouais. Ah, merci Alfred. Allez, abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous. Merci, ciao, ciao. Merci Roland Tika, merci au papa.